Ouais. Hey. Gut, aber langsamer machen. Aha. Allez, Jojo! Allez, Julien. Auf geht's. Aber es sieht doch auch nicht schlecht aus. Nee. Es sieht doch schon gut aus. Ja. Das sieht sehr gut aus. Das sind ja immer nur dieselben, ey. Jetzt halt hier kommen. Das hast du ja immer noch dieselben Fotos. Ja, ja. Ja, ja. Vai, Marco, vai, 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 vai. Obwohl, wie kommt der jetzt nicht weit weg, der Mann? Und dann, komm, auf geht's, hopp. Komm, du hast noch eine Runde Zeit. Auf geht's, komm. Jetzt komm ich. Komm, Angel, auf geht's, hopp. Exceptionnel, il y a Wesley, son frère, qui est présent également. Et allez voir ça parce que c'est l'exception. Et bien, des pulsations à 200 pulsations pour ces trialistes. C'est réellement un sport de haute compétition. On n'oubliera pas non plus l'avenir, la chauffe, Subaru, les entreprises Mathieu, Lino Schurter avec 5 secondes d'avance. On va en savoir plus puisque le moteur lutteur. Voilà donc Nino Schurter va remporter la victoire. Victoire de Nino Schurter, champion de Suisse. Mesdames et messieurs, on applaudit Nino Schurter. La deuxième position pour Julien Absalon. Voilà donc, magnifique performance pour 1h47 de course. Nino Schurter, vainqueur sur Woofalise. Je crois que pour Nino Schurter, c'est réellement eh bien, un acquis de venir chercher une victoire ici sur Woofalise. Donc pour tout la vie qui prend la troisième place, Maxime Maroc n'a pas su résister. Voilà pour le français de l'équipe BH, seul tour, belle performance, une cinquième place ici. Je prends de beaux points UCI qui sont pris par Maxime Maroc sur cette ligne d'arrivée, magnifique ligne d'arrivée, avec un nombreux public, un public de connaisseurs. Vous êtes présents, public ? Voilà, c'est fantastique. Un public, le champion d'Italie, Fontana Marco Aurelio. Voilà, une belle performance qui termine 5e tournoi sur le podium. Il mettra en valeur son maillot de champion d'Italie. Le sprint pour la 6e place. Il sera remporté par Fabian Winger devant le numéro 19, Wolkart. Une Kurschaft qui faisait partie tout à l'heure bien des prétendants à la 3e place. Was hast du gesagt? Du hast versucht einfach nachzufahren, hast du gesagt. Ja. Genau, ja, ich wollte eigentlich heute nicht zu offensiv fahren, eigentlich haben wir immer mitgefahren. In der letzten Runde habe ich dann einen steilen Anstieg, ja, haben wir noch ausgehalten. Was war von Sie? Maintenant et également pour venir
Voilà, en effet, Jacques, une très très belle bagarre. Pas de la 11e place pour Pierre Geoffroy Planté, le coureur du Team du Cycling, très longtemps en 10e position. Geoff Kabush, le champion du Canada, 10e place. Pour Nino Schurter, Mathias Flückiger, à la 12th place from Switzerland. Nous continuons à voir les arrivées. Ici, Patrick Galati, from Switzerland also, à la 13th place. Et le champion des Pays-Bas qui arrive maintenant, vous le saluez, s'il vous plaît, Rudy Van Hout. Rudy Van Hout, à la 16th place. Et le premier Belge, le champion de Belgique, qui a assuré ainsi son statut, 17e place. Le team Berceus événement. De marathon specialist die sprint in de laatste rond. Ja, ik had een beetje geluk vandaag dat ze een rondje meer als gewoon doen. We hebben nu denk ik nu 50 of zo, dus dat was in mijn voordeel. Want het ging best dus even passen, het ging niet te snel, maar de laatste drie rondes kon ik altijd harder en harder rijden en nog een deel inhalen. En ja, dat is mijn geluk geweest. Helemaal voor mij getoond. Ja, de laatste drie rondes ging het echt goed. Ik kwam mooi in mijn tempo en ja. Spijtig dat niet vroeger zo goed ging. Ging niet zo goed. Misschien ja. Nog wel weinig cross-country ritme na de Cape Epic. Maar het zal wel elke week beter, denk ik. 17, is dat goed? Ja, als je ziet wat hier aan de start staat, dan denk ik wel dat ik tevreden ben. Ik ben met 17e plaats. Ja. De wereldbeker waard. Krijg je toch een paar punten? Ja, ik denk dat de eerste 15 punten hebben. Ik zal wel wat punten hebben, dus het is goed voor mijn C-ranking. Wat dacht je van het parcours hier vandaag? Oh, het is denk ik een van de zwaarste parcours dat ik al gedaan heb. Het is wel stijlberg op of wel stijlberg af. Ik ben daar geen recuperatie, het is echt heel lastig. Het is echt heel interessant. Maar... Hey, bien Pascal! Pascal, bravo. Alors, vraiment pas loin de Kevin. Ouais, sur la fin, j'ai un peu craqué et puis je crois que Kevin a vraiment explosé dans les derniers tours. Et moi, j'étais dans vraiment... Dans bon sens, explosé, tu veux. Ouais, explosé... De force. Ouais, de force. Voilà, quoi, je suis quand même content de ma 20e place. Je ne veux pas super mieux parce que il faut pas un tour de plus, puisque sinon... Là, c'est une longue course, 1h57 pour toi. Ouais, c'est très très long. Il aurait fallu un tour en moins et ça aurait été parfait. Bah hier Marcel, one moment. Hier a team de rest. Ik heb een beetje beschrikt voor honden. Ja, ja, ik dacht ook dat de laatste ronde. Ik was al hier. Chapeau, hè. Voor je bolletje moet hebben in de hand. Ik kan hem hier zeggen. Ik kan hem in mijn boom. Zo'n dikke villa. Ik heb nog geen tijd. 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 Ik heb nog geen Het is nog dachten we, Nicolas. Oh, ik had er al zo'n tegen op 25. Er is hier nog 22e. Nicolas, superbe performance. Quelques petits soucis de santé. J'ai vu un moment te relevé dans la dernière montée, des problèmes de lombaire, alors que longtemps tu as été aux portes du top 20 et surtout, on va dire honorifiquement, premier belge. Mon premier 3-4 tours sont très bons, mais le 5e tour, j'ai vu un grand mur. C'est fini, c'est tout venu récupérer, mais c'est pas possible. C'est très dur et c'est limite. Je suis maintenant. Voilà, et puis la chaleur n'a rien arrangé aussi. C'était vraiment une chaleur importante, un circuit très sec, la poussière qui devait être gênante également pour les ports pour respirer. Oui, c'est très difficile pour boire. J'ai toujours boire dans la pit zone et c'est très dur avec le soleil. Et c'est vrai, le premier 14 jours, très bon et à un moment, c'est pas fini. Mais c'est quand même encourageant, Nicolas, pour la suite de la saison. Tu as prouvé que tu pouvais être à la bagarre aux avant-postes dans le top 20 d'une épreuve digne d'une Coupe du Monde. Oui,
quand je départ, je vais essayer pour une place 22. Je vais essayer, mais là, j'ai roulé le top 20. Mais, ouais, je suis content, c'est très dur, et surtout quand tu vois la personne qui est juste avant moi, et vraiment, c'est bon. Très bien, merci beaucoup, Nicolas Vermeulen, le vice-champion de Belgique.